Aujourd'hui, on arrive au terme d'une très belle semaine dont le but était d'amener un concert du groupe Fanel dans les murs du lycée Françoise avec la participation lors du concert de 60 élèves du lycée. Ça, ça a été possible donc grâce à l'asso Marchoufré qui propose ce genre d'atelier avec donc un atelier chant proposé par Béra, un atelier percussion proposé par Léa et moi j'ai proposé un atelier avec des instruments d'improvisation. On est avec un public de jeunes, de secondes, donc 14-15 ans. J'ai essayé de leur faire chanter en japonais et ça a bien marché, ça leur a bien plu. J'ai animé l'atelier percussion. Je crois que sur les 60 élèves, j'ai dû avoir deux élèves qui faisaient de la batterie ou des percussions et tout le reste, c'était la découverte. On a choisi notre atelier pour le concert. Donc moi, j'ai choisi l'atelier percussion et on a travaillé deux morceaux. J'ai fait tom basse, c'est un élément de la batterie, caisse claire, shaker et taper dans les mains et les pieds. Ways. Here are some things you can try. I'll make you roll a tickle. It's to be flapsy twink. J'ai commencé à l'atelier chant hier matin. Elle nous a montré une note qu'on pouvait atteindre. En quelque sorte, elle nous a fait découvrir notre voix, en fait. Quand j'ai vu qu'on allait chanter en japonais, je me suis dit catastrophe, on va jamais arriver. Finalement, en fait, à force de chanter, de rechanter les chansons et tout, on a commencé à tous bien aimer et à tous se mettre à fond dedans. Ça se voyait que tout le monde prenait le plaisir, ouais. On était tous motivés, en fait. J'avais choisi l'atelier instruments avec Guillaume, qui nous a montré plusieurs instruments. On en a surtout découvert de nouveaux, comme la Shruti Box. C'est intéressant parce qu'on rencontre déjà un groupe qui est dans le métier, qui sait de quoi il parle, ça nous apprend des choses. On a découvert aussi un petit peu une partie de la musique japonaise et ça fait donc on ouvre sous un nouvel horizon, une nouvelle culture, donc c'était vraiment ça qui était le plus intéressant. L'idée de proposer ces ateliers et d'amener un concert dans les murs du lycée, c'est de montrer que la créativité a sa place et que des élèves, seconde générale ou pro, tout ça se mélange. Des liens ont été faits et puis le but c'était de solliciter leur créativité, leur expression, de proposer du partage et du plaisir partagé. Everybody needs a summertime.
vraiment très content, très fier de l'avoir fait avec vous. Donc merci et bravo.